Dès son entrée sur scène, Marine Le Pen tient à teinter son discours d'optimisme. J'avais lu dans la presse que vous étiez morose. Non, mais écoutez, je suis heureuse que ça ne soit pas le cas. Devant les cadres du Rassemblement national, Marine Le Pen a cherché à remobiliser les siens. Il y a 10 ans, en 2011, vous m'avez confié la responsabilité de conduire les destinées de notre famille politique. Vous m'avez ce matin réitéré votre confiance et par cela fait de moi la candidate de notre famille politique à l'élection présidentielle. La candidate veut persuader les militants qu'elle peut incarner une alternance crédible face à Emmanuel Macron. Vous l'avez compris, cette élection présidentielle verra s'affronter deux conceptions politiques radicalement différentes et même, pardon, mais exclusives l'une de l'autre. Ce clivage sépare ceux qui sont de quelque part contre ceux qui sont de nulle part. Marine Le Pen a adressé des réponses aux critiques formulées récemment par son père. Nous avons su nous affranchir d'une immaturité politique peu compatible avec des ambitions nationales. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front National. Marine Le Pen évite passer sur la déception que représentent les élections régionales. Aucune des 18 régions françaises n'a été remportée par le Rassemblement National.